Conférence publique dédiée à la sortie officielle de la Galaxie des Jeunes pour le Développement. Un lieu de rencontre offert à la jeunesse béninoise dès ce samedi 23 mars 2024 pour favoriser son épanouissement à travers l'entrepreneuriat. De nombreux participants se réunissent à Cotonou pour le lancement officiel de ce centre. La plateforme Galaxie des Jeunes pour le Développement est non seulement un cadre d'échange et de partage, mais aussi une plateforme d'émulation où les professionnels répondant aux préoccupations des jeunes, porteurs d'idées de projets ou promoteurs d'entreprises. Cette plateforme aide à accompagner la naissance, la croissance et la maturité des jeunes entreprises. Cette plateforme est un nid d'opportunités qui interpelle le génie innovant et entrepreneurial des jeunes. L'inauguration de ce centre, conçu pour donner la priorité à l'entrepreneuriat, s'inscrit dans une vision pour l'horizon 2040 avec des missions bien définies. À l'horizon 2040, la Galaxie des Jeunes pour le Développement, la Galaxie JD, est un groupe de jeunes politiques de premier rang qui vise le boom entrepreneurial. Nous avons fixé 5 missions. La première, c'est de faire du lobbying politique. Le lobbying politique en participant à l'animation de la vie politique sur toute l'étendue du territoire béninois et se positionner comme la première force de la jeunesse d'ici 10 ans. Créer des activités génératrices de revenus. Nous allons contribuer à lutter contre les changements climatiques. Présent à l'événement, le directeur de l'ANPE a exposé à l'auditoire les causes du sous-emploi des jeunes, les réformes mises en place par le gouvernement pour favoriser l'émancipation de milliers de jeunes, ainsi que les opportunités d'affaires. On formait des gens pour un marché qui n'existe pas sur le marché de l'emploi. La réforme que le gouvernement a engagé, c'est pour qu'on forme plus de staffeurs, qu'on forme plus de ferrailleurs, qu'on forme plus de maçons, qu'on forme plus de gens de métier dont l'économie a besoin, dont les entreprises ont besoin. En effet, depuis l'avènement de la rupture, des réformes ont été menées dans des secteurs de développement tels que le tourisme et le numérique, ce qui a non seulement transformé le pays, mais a également créé un environnement propice à la génération de revenus et à une qualité de vie meilleure pour la population. Un élément majeur qui confirme la révélation du Bénin aujourd'hui et qui est en cours sur notre sol, c'est la zone industrielle de Glodigbé. Aujourd'hui, nous avons une côte qui est entretenue, une côte qui est reboisée, entretenue, et ça là qui se fait aujourd'hui, c'est le travail de gens qui sont dans le secteur privé, des petites et moyennes entreprises, qui sont dans des ONG, qui sont en relation avec l'État, et c'est des gens qui quotidiennement s'occupent de l'entretien de ces plages-là et qui sont payés par le gouvernement. Selon Dr Benjamin Kovidako, premier secrétaire général adjoint du gouvernement, la transformation remarquable du Bénin en 8 ans de gestion et de pouvoir est le fruit d'une vision exceptionnelle. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient de quelque part. Ça vient du génie de quelqu'un, entouré d'autres génies, bien entendu. Ça vient du génie de quelqu'un. Le principal génie, c'est le président Talon. Cette vision est basée sur des valeurs qui ont contribué au développement de notre pays depuis 2016, dira Dr Benjamin Kovidako. Le président Talon qui est d'abord un homme qui aime son pays, l'amour pour la patrie. Et ça, c'est la première valeur que le président Talon est en train de promouvoir à la tête du pays. La deuxième valeur, c'est la vision. Donc, amour pour la patrie, vision et stratégie de développement. Je dirais la troisième, c'est l'engagement total. L'engagement total pour la cause de développement. L'autre valeur fondamentale, cette fois-ci encore, c'est l'esprit de créativité. L'esprit créatif. Ça me paraît très important. Je voudrais insister là-dessus.
en mettant à disposition des jeunes béninois un espace de partage et de collaboration entre jeunes entrepreneurs. Le coordonnateur de la Galaxie des jeunes pour le développement encourage les femmes et les jeunes à rejoindre massivement ce centre pour mieux comprendre et profiter des opportunités d'affaires.